Joyeux fin de Turcotte. C'est ça, oui. Ouais, ben, encore un autre 23 décembre au soir, mon Turcotte. Un autre 23 décembre au soir où les rires puis les claquements de verre de champagne vont se confondre avec le bruit des autos de ces pauvres malheureux pognés dans la neige. Un autre 23 décembre au soir où le crime prend pas de répit. Mais surtout, un autre 23 décembre au soir que je vais passer sans toi. Pam, mon amour. Le crime organisé t'a enlevé à vie pour m'atteindre. Mais inquiète-toi pas. Ils vont me le payer, Pam. Ils vont payer. Hey! As-tu fini de ramasser? Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? T'as encore trompé ta femme au party de bureau? Hey! C'est arrivé juste une fois, pis avec l'imprimante, on va-tu en revenir à maintenant? Ok, là tu débarques dans mon bureau, là, qu'est-ce qui se passe là? On a une urgence au centre d'achat. Ah, là, je t'avertis tout de suite, Baudouin, si t'as encore l'astine machine à slush qui est pétée, j'ai calisse au bout de mes bras. Non. C'est plus grave. Hey, Baudouin! C'est ça ton urgence? La file d'attente est trop longue pour voir le Père Noël? Non! Le Père Noël, c'est ça notre urgence. Mon dit que t'es 2 watts. Ben ça m'en fait quand même 2 plus que toi. Hey! Bon, ok, fait que le Père Noël a un problème. Ça fait une demi-heure qu'il veut pas voir d'enfant. Quoi? Mais voyons, ça se peut pas, là. On est le 23 décembre au soir, je veux dire, tout le monde veut voir l'esti de Père Noël. Ben c'est ça. On sait pas pourquoi, mais il veut pas se lever non plus. Nous, on pense qu'il y a peut-être une bombe sous son trône. Une bombe? Ben ouais, Baudouin, qui c'est qui voudrait faire exploser le Père Noël? Ouais, t'as-tu mangé 2 œufs cuits durs? Le méthane. Le méthane? Une bombe au méthane. Bombe au méthane, voyons, Baudouin, ça existe pas une bombe au méthane. Ben oui. Quand j'étais en Irak, mon unité s'est fait attaquer par une bombe au méthane. On était à côté d'une orphelinat. Jour-là, j'ai vu 47 toutous se faire décapiter. Il y avait de la fourrure partout, des yeux en billes qui roulaient par terre, puis l'odeur du méthane. Heureusement, il n'y avait pas d'enfant dans leur film, ce jour-là. C'est une belle histoire, ça, Baudouin. Je suis content que tu m'en aies parlé. Ben, merci de m'avoir écouté. Tu te confies pas souvent, tu sais. Ben non, tu sais. Mon père était comme ça. Michael Jordan était comme ça. Puis moi, je suis comme ça. Bon, fait que là, le Père Noël t'assiste une bombe, là. Il en perdra pas de temps, là, je vais aller voir ce que... Ben non, on va attendre l'escouade anti-bombe, là. Oh, fuck off l'escouade anti-bombe, là. Ils arrivent tout le temps trop tard, eux autres, là. Gars, on perd pas de temps, là, je vais y aller, moi. Hey! Non! Turcotte! Non! Turcotte! Moi, je Turcotte! C'est quoi, là? Hein? Tu veux encore prouver que t'es meilleur que tout le monde? Hein? Tu veux vraiment mourir? Oui, je veux mourir! Je veux mourir! Il goûte crever, tabarnak, là. Y'a pas une hostie de journée depuis que Pam s'est fait assassiner que j'ai pas envie de me crisser en bas du pont. Fait que là, laisse-moi faire mon hostie de job. Pis lâche-moi les baskets. Turcotte, attends-moi là, regarde, Turcotte. Venez avec moi, il faut savoir qu'une bombe au métal, là. Bonjour, Monsieur Noël. Comme ça, il y en a un qui n'a pas été sage cette année. Oh, monsieur, je vous conseillerais de fuir immédiatement. Ça sent pas bon. Non, il y a quelque chose de pourri, ça. C'est que, monsieur, je suis assis présentement sur quelque chose de très chaud. Une bombe. Je l'avais dit, une bombe. Nom d'une fée des étoiles. Là, j'appelle l'escouade des Rois-Mages. Oui, passez-moi l'escouade. Comment ça, ils ne travaillent pas dans le temps des fêtes? Ben, niaiseux, ça, comme nom.
OK! Hey, en passant, je vois Joyeuse Fête aussi, hein? Puis comment va Gérald? Ah ouais? OK, bye! Le cancer. 52 ans. Ils viendront pas, hein? Gang d'hosties de clowns. Bon, bagage. Hey! Sois bien prudent. C'est surtout votre respect, monsieur, ça ne sera pas beau! Oh, 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 oh! Oh, boy! Oh, oh, boy, boy! Le non, mais il est dans marde. Ah ouais, ça va péter? Non, non, il est littéralement dans marde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est fait d'impens. Non, c'est la crotte de quelqu'un d'autre! Comment la crotte de quelqu'un d'autre? Oui, 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 c'est ça que... J'étais parti pendant une pause, là. Je suis allé porter du bon chocolat chaud de Mère Noël à mes amis les lutins, et je me suis rassis sur mon trône, et il y avait cette crotte que je n'avais pas vue, et je me suis assis dessus. La question qu'il faut se poser, c'est à qui ça profiterait? Je sais pas moi, le magasin de jouets juste en face, peut-être que le propriétaire, il est tanné que le Père Noël a joué dans ses plates-bandes à chaque année. Puis évidemment, c'est les enfants qui écopent encore, hein, comme toujours. Sacre. Ça prend-tu un sans-cœur pareil? Viens temps, mon Turcotte, je pense que j'en connais un qui va passer la nuit en prison. Hey, Baudouin, je peux-tu te parler deux secondes? Hey, c'est quoi le problème, là? L'affaire est résolue? Dépêchez-vous, messieurs, le magasin de jouets va bientôt fermer ses portes! Bon, écoute, je peux pas mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose de pas net dans cette histoire-là. Turcotte, arrête! Tu pourras jouer au détective toute la nuit! Pam, elle reviendra pas! M'excuse. Moi aussi, je m'ennuie de Pam. Attends une minute. Je viens de penser à quelque chose. Ouais? La crotte, là. Ouais. Elle est pas sur le trône. La crotte est dans ses pants. Ben là, ça voudrait dire que le vendeur de jouets est venu faire sa crotte dans les pants du Père Noël, puis lui, s'en est pas rendu compte? Écoutez, vous êtes juste devant moi, j'entends tout ce que vous dites. Écoute, je sais pas pour toi, là. Mais moi, si quelqu'un venait déposer son tas dans mes pants, je pense que je m'en rendrais compte. Ben oui, à cause de ton instinct de police? Ben oui. Ça voudrait dire que c'est le personnel qui a fait dans ses peines, dans ses peines. Ben oui, ben oui. Non, messieurs, vous aviez résolu l'enquête, c'était le vendeur de jouets. Monsieur Noël, vous êtes en état d'arrestation pour avoir menti à des agents de la paix. Ouais, lève-toi. Puis pour avoir fait dans tes peines. Si ce n'était pas de l'agent Baudouin et Turcotte, j'aurais pu encore gâcher Noël. Tu diras ça au juge grincheux, ah ouais! Ah ouais! Bon, un autre dossier de régler. Maintenant, c'est le réveillon. Ouais. Ma femme, les enfants, mon iguane. Tu t'en vas pas, toi? Oh non, j'ai un peu de paperasse à faire, là. Je vais prendre le temps. Écoute, Turcotte, ma femme, ben, elle fait toujours un petit peu trop de dingue, puis depuis que mon fils est à Hollywood là, pour faire des films de cul, ben, on a une chambre d'amis, donc... Oh, c'est bien fin, là, je veux pas déranger. Hey, Turcotte, force-moi pas à te tirer dans la tête! Bon, ben, ok, je vais venir. Ah, oui. Joyeux Noël, Turcotte. Joyeux Noël, Baudouin. Ha ha ha, Loft.